Et voilà, c'était très rigolo. Après, ils m'ont rattrapé, ils m'ont buté quand même. Ça veut dire quoi, place nette? Putain, non, place nette, c'est quand tu pars et qu'il n'y a plus de primes? Ah, genre, c'est les dernières primes qui restent sur la game? Non, non, ça veut dire qu'il faut qu'on ait toutes les primes de la map à chaque fois. D'accord, donc il vaut mieux que ce soit un monospectre, du coup. Ah non, non, j'ai de la merde. Non, place spectre, place nette, c'est quand tu trouves les primes. Place spectre. Quand tu trouves les trois, quand tu tues le boss et que tu l'extrais. Donc faut pas qu'on le vole, pour qu'on le tue nous-mêmes. D'accord. Ah oui, d'accord, c'est chaud. Ouais, alors le bon côté des choses, c'est que du coup, si on tombe sur des games où on n'a pas réussi à tuer les boss, on peut en profiter pour faire l'XP d'armes et s'extraire de manière safe pour garder nos persos. Pour et le spectre uniquement pour le moment. Mais oui, ok, on fera comme quand on devait tuer les boss. Sachant qu'après, si le boss est commencé mais qu'il n'est pas encore ritualisé, là, on peut quand même le voler du coup, du moment qu'on finisse. Je sais pas. C'est genre, l'important, c'est de le buter, non? Je sais pas, tant je regarde. Vas-y, regarde donc. Parce que ça a quand même une sacrée différence. Ouais. Une showdown. Ah oui, mais il est revenu. Bah attends, par exemple, je vais regarder dernier match, parce qu'on a eu place nette. Ah. Alors, bonus de place nette, c'est élimination, expulsion, extraction. Il faut le tuer. Il faut le tuer, le faire bannir. Lancer le rituel. Ouais. D'accord, donc même si les mecs l'ont commencé, du moment qu'on le bute, et que derrière on fasse l'interact et qu'on se casse, c'est bon. Ok. C'est parfait. Le truc que je me demande aussi, mais ça on verra lorsqu'on arrivera à le faire, c'est... est-ce que là, à chaque fois qu'on y arrive, ça va compter par prime ou ça va compter par boss, du coup, vu qu'il y a l'élimination dedans? Et oui, je ne sais pas. Parce que c'est de nouveau 50, ça n'a pas augmenté, mais... Ça peut faire deux fois plus long. Bon, bah, au moins, on sait. Hein. Ça va être chaud. Mais ouais, comme tu dis, heureusement, ça n'a pas augmenté. C'est déjà ça. C'est déjà ça de prix. On s'attrape là où on peut, quoi. Après, comme dit, hein, si ça n'a pas augmenté, mais que c'est, on peut pas le monter par deux points, ça veut dire que c'est quand même deux fois plus long, au minimum. Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, putain. Tu prends les animaux ou pas? Oui. Prends les animaux, il a dit. Oui. Les animaux aussi. Je prends les animaux. Il prend les animaux. Et du coup, c'est con parce que... Bah, j'avais l'avance d'un spectre. Bah non, et du coup, bah, je l'ai plus, on est au même, on est 50. Oh, c'est bête. On est pareil, toi et moi. Pareil. Oh, c'est con. On est nul. Oui, oui, c'est con. Mais bon, au moins, on débloquera le dernier ensemble. Oh, moi, ça me fait plaisir, voilà. Mais oui. Oui. Ça, on garde en tête. Alors, attends, je vais prendre un petit explosif des familles. Cool. Bon, bah, les spectres. Chocolat. Ouais. Bon, bah, si on est sur un spectre et qu'on n'a pas d'autre option et qu'il est fait par des ennemis, donc rituel lancé, ou si on voit que c'est pas nous qui l'avons buté, mais bon, généralement, c'est assez confus de savoir qui a buté le mec au milieu du combat, donc bon. Ouais. Et, bah, après, ça peut arriver, donc imaginons qu'on voit très bien que c'est pas nous qui l'avons eu, autant qu'on se casse, quoi. Ouais, ouais. On bute des sacs à viande et on se casse. On engrange l'XP et la thune. C'est vrai ce que tu dis. Ça, on sait faire. Engranger. Engranger. Faire des pépettes. Alors, une nouvelle ville. Porto Gruaro. À ton avis, c'est dans quel pays? T'as trois possibilités. Donc vas-y, tu dis Portugal, c'est pas ça. Espagne. C'est pas ça non plus. Italie. Bravo. Ah! C'est bel et bien une ville en Italie. C'est une commune. Porto Gruaro. De la ville métropolitaine de Venise, en Vénétie, en Italie. J'ai des amis italiens. Mm-hmm. Et ils me disent qu'il y a une grande différence entre les gens du Nord et les gens du Sud. Que les gens du Nord sont beaucoup plus droits, un peu à la Suisse. Et les gens du Sud, par contre, sont vraiment relax. Ah, on m'a dit aussi qu'il y avait une grosse différence. Après, j'imagine que ça reste quand même à l'échelle des gens, mais... Ouais. Mais en effet, qu'il y a une différence de culture globale. Oui.
Ah, j'ai bossé avec une personne qui avait des racines italiennes qui, bah, du coup, a vécu en Italie. Enfin, plusieurs personnes d'ailleurs dans mon équipe ont vécu en Italie pendant un bon moment, dans leur enfance et autres. Et visiblement, c'est une valeur connue là-bas. Ah oui. Bah, dis donc, c'est également une ville jumelée avec une ville française qui s'appelle Marmande. Ok. Une commune du sud-ouest de la France. Fort bien. C'est fou. Au final, tu vas dans un pays, tu les connais tous, quoi. Ah oui. Tout est jumelé. Ouais, les jumelages, les gens, ils s'en battent les couilles en général. C'est juste bien pour l'Amérique. Je sais pas à quoi ça sert, le jumelage. Pour des échanges scolaires, ça, je sais. Le reste. Moi, j'ai un défi relevé, il faudra que je pense à le prendre. Ah, bien joué. Alors, on est où là? On est dans la zone de. La zone de l'araignée. Oui. Qui, elle, est encore au stade où on peut faire deux points d'un coup. Voilà. Voilà. On sent la fin quand même, mais on est encore loin. Ah bah là, ça sent le boss de fin, tu vois. Genre là, on est encore dans le crescendo vers le boss de fin. On sait très bien que le boss de fin, ça va être un combat de 3 heures d'affilée. Mec. Le boss de fin, ce sera une fois qu'on aura les 3 maîtrises et 3 boss. Pardon. Il y aura un boss spécial qui va pop. Ce sera l'accumulation, l'agglomération de tous les cadavres des joueurs qu'on a tués pendant toutes nos games. Ça va, il sera pas trop gros. Ah, oh, ça va, ouais. Si c'est que ça. J'imagine 300 PV max. C'est drôle ce qu'il dit, hein. Moi j'aime bien. Ah non, c'est Jean-Jacques. Tu gères? Ouais, je vais prendre charme, c'est bon, je pense. Ah bon? Ouais, c'est fait. J'ai tenu à le faire au cac alors que c'était un bordelais. Mais... Ok, ah, ça tire à l'est. C'est la Syrie à l'est. Waouh, ouais. C'est fort. Spite, heureusement, c'est pas le même boss. Juste me soigner un petit coup. Yes. Ok. Oh. Tout va bien. J'ai pas du tout sué au niveau de l'arrêt. Il a l'arrêt qui sue. L'arrêt m'entend. Les chiens ici. Et toutou. Il faisait chaud aujourd'hui en France. Ah ouais? Ouais. T'as sué? Ouais, puis j'ai vérifié que le toutou avait son eau, quoi. Pourtant. Ah oui. Il peut pas d'aller remplir sa gamelle le robinet. Hein. C'est dangereux. Bah oui. Hein. Il y a qu'un point ici, je vois pas l'autre. Il y en a un là, et puis il y a peut-être un truc là-bas aussi. Bah, c'est un autre lieu ou quoi. Mais... Waouh! T'es en colère! Ouais. Ah, bah les deux sont ensemble en fait. Ah! C'est beau! Ah, c'est plus snipe. T'inquiète, dans cette zone, c'est moi le mec qui va sur le plan de snipe. On s'en souvient. Ah! T'as le deuxième? Ouais, tu peux avoir le deuxième. Ouais, d'accord. Ah, fais attention, moi, la dernière fois que je suis tombé... Oh là là. Bravo. Je te kick. Cette maestria, c'est à l'est. Maestria. Oh. Oh. Je tombe. C'était très loin. Ah.
Et une Safala, tel un cormoran. Oh non. Le cormoran. Alors attention. Zone du boss, zone sensible. Nous avons présence animale, c'est plutôt pas mal. Ça rime. Encerclé par les nuées. Parfait. Oh non. Elle me tire dessus. Oh non. C'est pas nous. Nous tire dessus. C'est lui qui sort un AK-47. Tu mines ouais. La porte par écœur est passée. Elle est où cette bait? Quand tu charges ton attaque à la machette, le mec il tire son bras en mode « Oh du dieu !» Oh, elle m'a sauté dessus. Depuis le mur. Bravo. Olé. On va de faire le con. Elle est enragée. Au ciel, non. Bougre moult expression. Elle est déragée. Elle est déragée. Je trouvais ça drôle, du coup je l'ai absolument répété. Bon, elle est où? La bait. Ah! Elle est là! Wow! Ah! Bonjour! Elle est enragée? Ouais. Ah oui, en effet! Oh, le nuage empoisonné. Elle est un peu mordante. Ah oui, en effet, oui. Aïe. C'était déjà explosif? Non. Ah, bon, on a un problème alors. Porte ouverte ici. Grenade ruche qui va venir. Ah, j'ai pas de vie. Je me soigne. Invasion joueur. Ça court, ils sont partout. Peut-être mettre déjà à l'intérieur. Ok, pour l'araignée, c'est bon. Où ils sont les Ascars là? Je peux tout. Projectile. Ah! Yes, j'ai tué. Ok, la deuxième qui a activé un piège.
je l'ai calmé, mon vieux. Bravo. Projectile. Bravo. Je crois que j'ai tué. Ah, j'ai pas entendu. Ok. Je crois que mais être cadavre, mais... Je sais pas, en fait. C'est la teuf ici. Hein. Oh là là. Bravo en tout cas, bravo. Merci. J'aime bien ces petites animations. Pendant le boss. J'aime bien qu'on ait des petites animations comme ça. Oh, il y a une caisse enregistrée ici. Ah, tu l'as déjà trouvé. Ouais. J'ai mis une derrière. Bien, ouais. Corbeau, ah, encore. Encore des corbeaux. Pas des munitions. Ok. Voilà, la sortie. On a le choix. Nord-ouest ou sud-ouest. Ouais. Je dirais sud-ouest plutôt. Oh, quoi que ce soit, les deux sont bien. Plutôt nord-ouest même. Nord-ouest, c'est la plus proche. Après, ça dépend ouais. D'où est-ce qu'il y a les ennemis, quoi. Sachant cela. Sachant qu'on a entendu du bruit, je check. Hein. Ok, bonne nouvelle, il n'y a personne. Sur le piège, hein. Oui. Allez, nord-ouest. Oui. Je suis derrière toi. Nice. Alors j'ai deux balles de... En tout cas, distance, c'est tout. D'accord. Pas beaucoup. Le truc de place nette, au final, c'est pas vraiment dérangeant. Si, parce que c'est quand même comme ça qu'on gagne la plupart de nos matchs. C'est vrai que nous, on est plutôt du genre à rush. Plein ouest. Pardon. On est plutôt du genre à tailler sur le boss et... C'est pourquoi on est là. Ouais. Ouais. Le seul truc qui serait dérangeant, c'est si ça monte vraiment que par un point, quoi. Ouais. Et après, bon, ça nous fait quand même louper quelques occasions, donc ça nous ralentit un petit peu, mais c'est pas la mort non plus. Ouais. Ce que tu disais avant de faut faire toutes les primes de la map, je pense que ça aurait été pire pour nous, hein, clairement. Terrible. Il faut le faire qu'une fois, tu sais, là ça va. Je fais un petit check. Ok, rien devant. Cool. Plutôt le nord, d'ailleurs. Nord-ouest. Ce petit groupe là, ils étaient pas très doués, mais ils étaient rigolos. Ouais, ils étaient de mon niveau, je pense. Hein. Bah, je sais pas, parce que les mecs quasiment pas vu. Ils s'est mis devant une fenêtre pour lancer un molotov, et je l'ai vu. On a commencé à se tirer dessus. On s'est tous loupés, hein. C'était rigolo. Ouais, bah c'est chez nous, quoi. Oh fuck. C'est la maison. Enfin, c'est le moment de faire du démon en jeu. Hein.
te fusiller 3 exploits ce que t'as. Pas le one shot avec. Hein? T'es qu'à fusiller. C'est le Mosin-Nagant et j'ai le Romero Hachette à côté. D'accord. J'ai tapé avec le Romero et je voulais mettre un deuxième coup avec le Mosin, mais bah, le Romero l'a tué d'un coup. J'entendais un gros bruit sur la valse. J'étais en mode quoi, il a un pistolet laser maintenant. C'est... Qu'est-ce qui se passe? Ce mec il sort un blaster. Oh oui. T'as l'ennemi en face qui se désintègre. Ça se fait. Ce serait ouf que ça parte en couille, tu sais, le jeu avec les mises à jour. Tu sais, ils mettent vraiment des lasers comme ça. Il y a une soucoupe qui arrive sur la map. Oui. Oh mon dieu. Mais qu'est-ce que c'est? Oh. Attends, je vais vous moucher. Venu conquérir la Louisiane. Une communication avec l'au-delà, peut-être? Non, je coupe le micro. Ah, terrible. Ah bah oui. J'ai préparé ma planche de Ouija et tout. Du coup, on a le bonus de place net et j'ai bien tué deux gens. Oui, bravo. C'était incroyable. Oui. Exceptionnel. Félicitations. XP. Un grand talent. Et plus que 3000 XP avec le voisin Nagant et c'est fini. Ça. Alors... on a déjà les animaux, oui. Vas-y à verrou. Hop. 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 Les consommables, ils sont partis là cette session. À une vitesse. C'est rigolo parce que la meuf elle a pas fait la maline, elle s'est pris une grenade infernale, tu sais, c'est le truc qui t'enlève je sais pas combien de barres de vie d'un coup quand tu te la prends, tu sais. Ça c'est les mises à jour des grenades de flamme et tout. Ah oui. Et elle se l'est mangée, elle était au point d'impact. Alors je sais pas comment elle a mangé ça niveau vie, mais j'aurais bien voulu voir sa barre de vie. J'aurais bien rigolé. Des cendres partout. Ah. La main. J'ai pris tueur furtif pour mes coups de machette. Ah bien. Bien joué ça. Merci. Je l'ai aussi d'ailleurs. Ah non, bravo. C'est coagulant. Ah. Moi aussi j'ai vu le petit couteau, je me suis dit bien joué. Rien à voir. Ah oui, en fait tueur furtif c'est le doigt avec la pointe. Ah oui, tueur furtif en fait il fait un doigt. Bon, d'accord. Il fait un doigt, le mec en face meurt. Mais non, non, c'est trop méchant. Les dessins, je trouve quand même vachement stylé. Je suis content que ça te plaise. Hein. Moi qui les ai faits, pas du tout. C'est vrai? Non. Pierre Carles. Ou Carl. Pierre Carles. Nationalité française, donc on va dire Pierre Carl. Ah. Il est né en 1962. Ok. Sauras-tu deviner sa profession? Jamboniste. Non. Ah. Boudiniste. Non plus. Merguéziste. Bien tenté. C'était documentariste. Ah mince. Avec comme film notable... Pas vu, pas pris. La sociologie est un sport de combat. Et fin de concession. D'accord. Oh la vache. Que je ne fais. La vache, sa page est tellement longue. Les gens qui filmographie. Ah oui, documentaire, il en fait depuis 95 quand même. Et il en a sorti un en 2020. C'est pas arrêté. Oui. Hein. Mec qui est actif. Après, il est pas vu aussi, il est en 68. Et il a fait des... ça dépend de comment on appelle le jeu, mais en tout cas oui, il est dans la fleur de l'âge, on va dire. Et il a fait des trucs pour l'émission Striptease. Ah. Ah bah le point est juste là. Ah bah le point est dans ma gueule. Incroyable. C'est quand même fou. Et depuis qu'on a fait le dernier spec, là, on a des specs sur la map, mais on nous met dans la deuxième zone, c'est mignon. Oui. En mode, c'est pour plus tard, ça. Non, pour plus tard. Ah, c'est la petite zone. C'est la petite zone, ça va être intense. Ah, certes.
On va arriver, il va y avoir un groupe là, ils vont faire bam bam, je vais faire au secours, tu vas faire bam bam, je vais me faire oh, ils sont tellement professionnels. Je vais essayer de passer une fenêtre et j'y arriverai jamais. Je crois que t'as l'air pas mal non plus, hein. En sport de fenêtre. Hein. C'est fou. On se barre. Ah non, on va même le point, il est trop fort. On fait des pieds-bouches. Des pieds-bouches. C'est ici. Ah bah il est là le boss. Ah il y a consommable ici. Je crois que j'ai déjà consommé. Tu sens qu'on va se prendre trois groupes là. Enfin au moins un groupe quand on va faire le boss. 15 groupes mec. Un million. J'ai entendu des corbeaux. Oui. C'est notre game. D'accord. Ah, encore des corbeaux, ça vient de là-bas, je crois. Je vais fermer la porte. Hein. Voilà, personne ne passera maintenant. C'est même pas le bon endroit, je stresse. C'est même pas là, j'en peux déjà plus. C'est celui-là. C'est ici, là. Ce bâtiment-là. C'est lui, là. Qu'il veut lui. Ouh. Ah là on peut entrer là. Je ferme la porte. On peut les inviter non plus. Ah oui bah je vais miner hein, ici. Ok. Voilà c'est fait. Il est où? Il est où bon sang? Oh mon dieu c'est le démon. Il est en colère. La colère, la colère, la colère. Ah. Oh le mec fait de l'escalade et tout. Ah, j'ai entendu CQC, pas de chez nous. Voix féminine. On a déjà de la visite. Fini le boss, occupe-toi des mecs. C'est bon. Ils sont juste là derrière. D'accord. Ils sont vraiment juste là derrière. Derrière la porte? Genre si je tire dans la porte, je les touche? Non, non, pas derrière la porte, mais dans le couloir derrière. En fait, okay. C'est un couloir, c'est qui mène dehors. J'ai piégé cette porte-là au cas où. Oh, ouais, des munes, ouais. En plus, on a des bidons d'explosifs partout. Oh. Ah, tu vois? Ouais, c'est bonne idée ça. Oh, y'a une caisse. Y'a des munitions spéciales, je sais pas ce que tu utilises. Ah, la porte est ouverte ici. Okay.
celle que tu visais avant. Ils l'ont ouvert. Ils ont pris le piège. Ou ils l'ont activé devant, je sais pas. Ils l'ont activé. Pour qu'on puisse pas refermer la porte. Oh, c'est pas grave. Il y a une autre entrée qui est par là-bas, là. Tu vois, derrière le coin du mur. Ok. Il va tenter celle-là. Ok. J'entends en effet des bruits de pas. Elle ouvre. Ouais, c'est ouvert. Surveille. Je suis en visu sur cette porte là. Après ça veut pas dire que s'il y a un mec qui passe je le tue hein, mais quand je regarde par là. Ça court encore. Je vais tirer. Ok, c'est activé. Viens vite prendre la prime. C'est pris. Je check. Moi aussi. Ok, il y en a un au sol, un deuxième au sol, un troisième en l'air. Ah, en l'air par là. Ah, j'avais pas vu lui. On sort par là tranquillou. Un piège. Ouais, il y a un mec là. Un mec là. Part à l'ouest. Et à l'ouest, il y a un gars. Ah, j'ai plus de vision. Il y a un mec à l'ouest, il y a un mec là. Un mec là-bas au loin. Ah, bon, j'ai vu le mec bouger là-bas. Ok, ça devait être celui qui était là. Il reste encore un là, un là. Ça se redéplace. Viens, viens, viens. Faut qu'on se barre. Ok. Un là, un là. Tire à quoi lui? J'ai plus qu'une seconde de check. Hein. Ok, check pas, check pas. Ok, viens, faut qu'on y aille, faut qu'on bute. Là, okay, je vois. Ils sont deux, vas-y. Ok, il y en a encore un autre qui est derrière, dans cette même direction. Un peu plus loin. Ok, bah je me casse, viens, on se casse à l'ouest. J'ai plus de check. Hein. Là, on va tomber en face, du coup. T'as plus de check? Non, plus rien mec. Je pense une grenade qui fait des tirs. Ça va être chaud. Ok.
Vas-y, passe. Oh, ça passe. Ah merde, ça passe pas. Presque. Allez mon gars. Oh allez. C'est vrai qu'il y a un mec sur le point. C'est fini. C'est fini. C'est la fin. Oh là là. Juste qu'on tienne. Juste qu'on vive 20 secondes. Derrière nous, ça piaille, hein. La guerre du spectre aussi. Bah c'est leur guerre, je veux rien savoir. Oh la mienne. Bravo. Ouais. Bravo. Pourquoi un peu qu'une balle perdue tuerait un mec, on sait jamais. C'est pas. Mais bien joué, bien joué. Oh là là, oh là, là. Oh, t'as bien eu le mec qui était proche là, et puis t'as bien commandé la fuite. Bravo. Bravo commandant, bravo. Merci, merci. Mmh. Mais c'était chaud. Ah le mec, je l'ai tué d'une balle dans le dos, il avait presque plus de vie. Tu sais ce que je l'ai eu après son fight. C'est pour ça quand quelqu'un qui meurt, c'est bien d'y aller après. Bah, comme tu disais, quand tu tues le boss, après t'as ce petit moment... De ouf. Voilà. Et bah, c'est pareil, bon, c'est le meilleur moment pour y aller, c'est quand il y a un mec qui meurt. Bien d'accord. Qui paraît pas, pas. Ouh. J'ai moi gagné, je suis full life, et pas vous. Vous n'avez pas encore rechargé. Voilà. C'est comme ça que je joue. T'as bien raison, mon gars. Ah oui. C'est comme oui. ça qu'on joue contre toi aussi. Oui. Bravo. Et... Et bam, d'un clic, je réduis le coût des bandages. Waouh. D'un clic d'un seul, je m'octroie cette clic, capacité, ce privilège. Allez. Nice, nice, nice. C'était bien. Hein. Allez, on y retourne. Qu'est-ce que je prends avec ça? Bizarre partie, eh? Mais... Oulala! Ben, quoi t'en poulet, bon. Oh oui! C'est notre deuxième prime, non? Notre oui. deuxième victoire! Tout à fait! Bravo! Félicitations! Bravo! Moult applaudissements! Moult!